Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Dark Souls 1 pour voir où trouver le sort arme invisible. Et pour ça, on va partir du feu qui se situe dans le DLC Artorias of the Abyss. Donc je vais vous mettre en description le lien de la vidéo comment accéder au DLC Artorias of the Abyss parce que c'est très compliqué, c'est très long. Et une fois que vous arrivez dans cette zone, instantanément, en fait, c'est un couloir. Vous allez tout droit, il y a un boss, direct, au bout de 3 mètres. Et ce feu-là, il est juste derrière la salle du boss. Vraiment. Et donc c'est le feu, forêt d'Ossalil, d'Ossalil. Bref, la forêt qui est juste derrière le boss du DLC d'Artorias. Et à partir de là, on va aller à gauche. Et on va tout simplement parler au champignon, qui est en fait un PNJ. Donc vous lui parlez. Et vous lui promettez de sauver la princesse. Vous acceptez d'aller le secourir, vous répondez oui. Et là, elle vous remercie. Elle se présente en tant que gardienne du sanctuaire. Et elle dit qu'elle va vous aider grâce à sa sorcellerie. Alors, elle vient de lâcher le mot, attendez. Non, on peut pas voir. Putain, y a la barre. Ah, oh, la cile. Oh, la cile. Voilà. Donc, c'est la forêt d'Oh, la cile. Et du coup, dans les sorts, il y a la liste des 5 sorts. Donc, ça coûte 2000 âmes, voire 10 000 pour réparer. Parce que pour le coup, là, c'est plutôt utile. Et puis voilà. Tout simplement, vous avez tous les sorts ici. Et vous avez Camélion en scrollant en bas. Voilà. Vous avez vu, il faut juste 14 ans d'intelligence. Alors, il y a 11 utilisations pour Camélion. Et au niveau des armes, elle vend une baguette toute pourrie. Ce qui est intéressant, c'est surtout les sorts. Et ben voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Bah écoutez, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!